Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y, qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace, son univers? Tourner en rond. Père. L'énergie du masculin, du père aujourd'hui, est très présent. Le père est très présent. Bon, tournez. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y. Explorons. Un père qui tourne en rond. Est-ce qu'il est étourdi? J'ai l'impression de voir de la boucane. Attendez. Je laisse circuler, là. Des petits ronds dans la boucane. Continuons, continuons. Allons-y, continuons. Bon. La carte du cadeau. La carte du partage. En ce moment, on tourne en rond. Le mouvement est circulaire. Est-ce qu'il y a partage? Donner et recevoir. Est-ce qu'il y a échange? On tourne, on dirait qu'on fait du surplace. Attendez une minute. Je vais piger une carte de quelle couleur? Rose. Donc, on répète ici probablement quelque chose. Il y a une répétition. On tourne en rond. Probablement qu'on hésite, on doute, on fait du surplace. Ici, le mouvement, donner et recevoir, échanger, un va-et-vient. Ici, tourner. Continuons. On nous dit quoi? Engagement. Oh, ça doit être la peur de l'engagement. Il y a quelque chose qui peut sembler être engageant actuellement. Si ça tourne comme ça, là, probablement qu'il y a de l'anxiété, de la peur. Oui. Bon. Le thème de l'engagement. Continuons. C'est comme une invitation ici à faire un pas en avant. Un petit pas. Un petit geste. Un geste. Un pas. Masculin qui revient. L'énergie du masculin. Oh, triomphe d'après moi. Il va le faire le pas. C'est la carte qui me parle de courage, détermination. Je sais ce que je veux maintenant. Je vais cesser de tourner en rond. J'y vais. Go! J'ai identifié ce que je voulais. C'est l'énergie d'un masculin ici qui a probablement trouvé une solution. Il reprend le contrôle.
Il sait ce qu'il veut. Il va redresser une situation. Il va se reconstruire. C'est une carte qui me parle de quoi? Oui, c'est celui qui aime construire sur une fondation solide. L'engagement ici. S'engager envers qui il est. Il reprend confiance en lui, en ses capacités. C'est un masculin dans le concret qui veut concrétiser quelque chose. Oui, c'est l'empereur. C'est pas n'importe qui, là. Il reprend son pouvoir, il reprend son contrôle, il reprend le contrôle sur sa vie. Autorité saine, c'est l'énergie d'un père, l'énergie d'un masculin protégeant. Il va de l'avant. Ôtez-vous de là. Oh oui, changement important, il laisse une ancienne vie derrière lui. Il avance, il est déterminé. Il est prêt à avancer. Allons-y avec une autre carte sur le triomphe. Une carte d'autonomie. Je reprends mon autonomie. Je bouge. Mouvement. J'avance. Je prends une chance. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est la carte qui me parle du gain, de la perte, on ne le sait pas. Ici, go! Il part à l'aventure. Il s'aventure, il ose. Ici, on nous parle d'un changement important. Une libération. Je change de vie. Changement important. Je me pardonne. Si j'ai quelque chose à me pardonner, je m'accueille. Je me dévoile. Dévoilement d'une vérité. Je suis en contact avec ma vérité. Changement important. Allons-y. Et on me présente l'homme d'affaires, le masculin. L'énergie du masculin est très présente aujourd'hui. Le masculin, énergie d'un père aussi. Ici, sécurité financière, protection financière. On pourrait me parler aussi d'un père. Bienveillance, protection. Même chose ici. Protection, sécurité. Solide, solidifier quelque chose. Je veux solidifier quoi? En tout cas, ici, on nous parle d'engagement. Peut-être un contrat, un nouveau contrat, une nouvelle vie ici. Un changement de vie. Stable, stabilité, retour de la stabilité. Je vais travailler pour atteindre ma stabilité, je vais me reconstruire. Je cesse de tourner en rond. Je m'engage envers moi-même. Go! C'est parti. Eh oui, travail. Je vais travailler pour atteindre mon objectif. Je veux réussir. Je me dis oui, j'y vais. Engagement, je m'engage envers moi-même. Aussi concernant un travail, possiblement, occupation du temps. Relation, ici je gagne, je me dis oui. Carte de réussite. Oups! Voyons. La carte de l'hiver qui a voulu sortir. Donc, l'hiver, c'est la fin d'un cycle. Allons-y. Continuons. Avec une autre carte. Allons-y avec elle. Engagement.
Intéressant, hein? Deux fois engagement. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Tes rêves, tes désirs. Continuons. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc là, ici, là, deux cartes, c'est important, hein? Deux cartes qui me parlent d'engagement. Alors voilà. Un petit focus. Allez, focus. Bon, super, on a eu un petit focus. C'est bon. Bien, je vous dis, je vous souhaite une belle journée et... Là, j'ai le mot soleil qui me traverse l'esprit, jaune soleil. Et je vous souhaite une belle journée ensoleillée. À la prochaine!